Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la 186e émission de Final Game Onitron, votre rendez-vous de jeux vidéo et de culture geek que vous retrouvez tous les lundis de 21h à 22h. C'est en direct sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Vous nous retrouvez également sur notre site gameonitron.fr où dessus vous avez les podcasts de toutes nos émissions. Vous pouvez les télécharger directement, les écouter directement et vous pouvez également les avoir sur YouTube, ce qui est pratique parce que vous pouvez avec l'aide des images et bien accéder directement aux sections qui vous intéressent pour cette émission. Et bien c'est une de nos dernières émissions de test hein, avant la fin, ce que on s'appelle Final Game Onitron parce que c'est la cinquième et dernière saison qu'on fera en émission de radio, qu'on fera même tout court hein, de toute manière. Et donc c'est ouais, une des dernières émissions de test avec d'un côté Shin Megami Tensei Strange Journey Redux. Alors derrière ce nom barbare se cache un jeu. On vous expliquera tout, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi ça parle, on vous dira tout. Et l'autre test qu'on vous fera, ça sera celui de Detroit Become Human, le dernier jeu de Quantic Dream, exclusif à la PS4. Ça sera le test qu'on vous proposera avec Nicolas, qui est avec nous encore. Comment tu vas? Enfin, en même temps, t'es tout le temps là. Bah, hein, finalement, oui. Si t'étais pas là, je serais dans la merde. Ou alors, ça serait bien triste, cette émission. Voilà les deux tests qui vous seront proposés lors de cette 186e émission de Final Game Onitron. Comme j'ai dit, donc il y a un test sur Nintendo 3DS, l'autre sur PlayStation 4. Voilà, on va se régaler ce soir, on va essayer de vous dire ce qu'il en est, parce que d'un côté, il y a un jeu qui n'est absolument pas connu, absolument pas connu, donc on va tout expliquer clairement. Nico fera le test ensuite du jeu, et puis l'autre jeu, c'est un jeu sur lequel on était, moi j'avoue, même si quelques démonstrations m'avaient plu, mais j'avoue que j'étais très sceptique avant de commencer le jeu, véritablement, hein, pour des raisons qu'on vous expliquera avant le test de Detroit Become Human. On va commencer par le plus petit d'entre eux, hein, à commencer voilà, par le jeu sur Nintendo 3DS. Il s'agit de Shin Megami Tensei. Non mais faut que je réfléchisse en même temps, tu te rends pas compte toi. Shin Megami Tensei Strange Journey Redux. Mais avant, on va se faire un petit récap, un petit dossier tout petit, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que Shin Megami Tensei, parce qu'évidemment là on vous parle en chinois peut-être pour de nombreux auditeurs. On vous explique ça. Alors, je sais pas toi, Nicolas, mais moi, en tout cas, j'ai connu Shin Megami Tensei avec le jeu Shin Megami Tensei Lucifer's Call, sorti en 2005 chez nous, en France, sur PlayStation 2. C'était le premier qui arrivait en France. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est qu'il s'agissait en réalité de Shin Megami Tensei 3, que c'était également un jeu d'Atlus que je ne connaissais pas à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, ils font partie des développeurs que je suis avec beaucoup, beaucoup d'attention, bien évidemment. Ce que j'ignorais, évidemment, c'est que c'est une licence qui, aujourd'hui, a 32 ans, puisqu'elle est née en 1987, suite d'un roman qui s'appelait Megami Tensei. Alors, ça veut dire, en japonais, la réincarnation de la déesse. Alors, c'était un roman que Atlus a adapté finalement en jeu vidéo. Alors on est en 1987 sur la NES, la Famicom au Japon, ça va. Donc ça s'appelait Megami Tensei. Il y avait même deux sociétés de développement de jeux qui ont chacun fait leur propre Megami Tensei. Donc il y avait Atlus et il y en avait un autre, j'ai oublié le nom, on s'en fout, de toute façon, il s'en coulait, je pense.
Et donc ils ont fait Megami Tensei, Megami Tensei 2, et après Shin Megami Tensei, ça veut dire la véritable réincarnation de la DS, ils ont fait Shin Megami Tensei 2, alors ça c'est sur Super NES, hein, ou Super Famicom, ça va, au Japon, et puis donc ils ont fait Shin Megami Tensei 3 sur PS2, qui est arrivé chez nous en France, ils ont fait même plus récemment Shin Megami Tensei 4, qui est sorti sur Nintendo 3DS, et c'est sorti en France. Également, oui. Voilà, avec, c'est même un diptyque parce qu'il y a Shin Megami Tensei 4 Apocalypse qui est à la fois une suite et une histoire parallèle, hein, ça, si ouais. Je me souviens bien, qui est également sur Nintendo 3DS, de très bons jeux, bien sûr, il n'y a pas aucun problème. Donc de la société Atlus, qui dans ces jeux, c'est sa licence numéro 1, a la particularité de faire des jeux assez difficiles, hein, sont reconnus pour ça. Alors ça n'a jamais eu le succès des jeux comme des RPG, ce sont des RPG japonais, hein, des jeux de rôle japonais, ça n'a jamais eu le succès de Final Fantasy ou de Dragon Quest. Bah, hein, c'est quand même une saga qui est quand même reconnue au Japon, ça, effectivement ça n'a pas l'impact d'un Final Fantasy ou de Dragon Quest, mais c'est quand même une saga qui a sa petite notoriété, qui a sa petite notoriété là-bas. Sa petite notoriété comme tu dis, alors pourquoi c'est si peu connu? Alors comme j'ai dit, c'est vrai que c'est des jeux qui sont très difficile. Shin Megami Tensei, Lucifer's Call est vomitif, hein, je le dis. Pourquoi? C'est que ce sont des univers qui sont assez particuliers. Comment vous expliquer? Disons que Shin Megami Tensei, c'est la réunion entre des bugs informatiques et des rites sataniques. C'est un peu ça. En fait, c'est l'apocalypse, au sens biblique du terme, enfin, les démons qui envahissent la Terre, mais via les réseaux Internet et les ordinateurs, les programmes informatiques. Voilà, en gros, les monstres que vous allez affronter sont autant cybernétiques que démoniaques. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment cette fusion entre de la science-fiction quasi cyberpunk et de la magie occulte. C'est voilà, c'est ces deux univers qui sont représentés techniquement. Alors, ça se voit surtout avec l'arrivée de la PS2 pour Shin Megami Tensei 3, par le fait que au niveau des univers, c'est des univers très froids qui se traduisent graphiquement par des aplats de couleurs. C'est-à-dire que ça fait très monochrome. Et donc, c'est vrai qu'on a une certaine distance entre le joueur et l'univers dans lequel on se trouve, parce qu'il n'y a absolument rien de chaleureux hein, dans ces univers, et également par les personnages que vous allez rencontrer, qui sont des personnages assez bizarres. Généralement, dans les Shin Megami Tensei, vous jouez un jeune étudiant hein, qui est totalement lambda, qui ne parle pas, voilà, et qui n'a aucune émotion, ou presque, qui montre jamais rien de particulier, que vous allez incarner, qui se trouve un petit peu au milieu de l'apocalypse qui est présent dans tous les épisodes de Shin Megami Tensei, ou presque. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on va avoir un personnage donc, auquel on aura beaucoup de mal à s'attacher parce qu'il est vide. On n'aura pas vraiment de coéquipier parce que les Megami Tensei, eh ben, le principe, c'est de recruter les démons que vous allez affronter. Alors vous pouvez les recruter de façon très différente, hein, très diverse, les recruter et puis après les entraîner, les faire fusionner entre eux par la suite pour faire des démons de plus en plus puissants. Donc c'était déjà le cas sur les tout premiers épisodes, hein, dès 1987, donc c'est le jeu avant Pokémon, hein, bien ouais, avant. Ouais, alors évidemment, c'est beaucoup moins mignon hein, que Pokémon, loin de là. Donc voilà un petit peu pour peindre, j'ai envie de dire, le tableau de ce qu'est Shin Megami Tensei. Donc, je pense qu'il y a des joueurs, ça ne donne pas forcément envie de raconter comme ça. En tout cas, la licence, du fait de ça, comme tu dis, de sa petite notoriété, a donné naissance à plusieurs spin-offs. Beaucoup de spin-offs. Voilà, donc il y a Shin Megami Tensei, Devil Summoner, Devil Survivor, et dans les meilleurs, on en a parlé en début d'année, il y a Digital Devil Saga, hein, qui est un spin-off de la saga de Shin Megami Tensei. Un spin-off, hein, c'est-à-dire qu'ils utilisent le nom de la licence numéro 1 en utilisant un peu l'univers pour en faire autre chose. Voilà, grosso modo, c'est ça un peu l'utilisation d'un spin-off. Et le spin-off le plus connu, qui a largement supplanté la série originelle, c'est Shin Megami Tensei Persona, qui aujourd'hui s'appelle uniquement Persona, hein, il a sa propre distinction, mais à la base c'était un spin-off de la saga, qui aujourd'hui a une vraie et grande notoriété auprès des joueurs hardcore de JRPG. Persona 5 est sorti l'année dernière, a fait pas mal parler de lui en tout cas. Voilà pour ce qui est de la licence. Donc, vous l'avez peut-être compris, Shin Megami Tensei Strange Journey est un spin-off de la saga Shin Megami Tensei. Il s'appelle
Shin Megami Tensei Strange Journey Redux. Pourquoi ? Parce que c'est un remake du jeu Shin Megami Tensei Strange Journey qui est sorti sur Nintendo DS, tout court, la première Nintendo DS. Et donc, ils ont porté le jeu sur Nintendo 3DS. Nico va nous en dire plus dans un instant, mais pour dire que c'est un remake, ils ont rajouté le nom Redux à la fin. Voilà, j'espère que vous avez compris d'où vient ce nom barbare. Shin Megami Tensei, voilà, de la licence originale, Strange Journey, qui est donc un spin-off de la licence, et Redux, pourquoi ? Parce que le jeu est en fait déjà sorti, c'est un remake un peu remanié qu'ils ont sorti sur Nintendo 3DS. C'est le test que va nous présenter Nicolas. Et oui, tout à fait, donc SMT SJR. on va l'appeler Strange Journey. Voilà. Hein, si donc, comme tu dis, à la base, c'était un jeu sur DS qui était sorti que au Japon et aux États-Unis. On n'a pas eu de version européenne. Et Atlus en a fait un remake. D'ailleurs, c'est leur deuxième jeu 3DS qui remake et qu'on a en Europe. Le premier, c'était Radiant Historia, qui était sorti sur DS. Oui, c'est vrai que c'est eux. Qu'on a eu en version européenne. Ça, et là, donc, on a Strange Journey. Chez nous. Donc en fait, Strange Journey, ça se passe au 21e siècle. On ne sait pas exactement la date précise, c'est en 2000 XX. Et en fait, il y a un trou noir qui est apparu au pôle sud. je savais que t'allais rire. Trou noir qui s'élargit de plus en plus. Et qui menace d'englober la surface de la Terre si on ne fait rien. Et donc en fait pardon. Je vais pouvoir continuer. Il y a des scientifiques qui ont analysé ce phénomène et qui se rendent compte que c'est un portail qui mène vers une autre dimension. Et donc du coup il y a un corps d'expédition qui est mis en place pour aller explorer cet univers. Je pleure. Ah, faut prévenir. Pardon. Et Donc, comme tu dis, voilà, il y a un corps d'expédition qui est composé à la fois de scientifiques, de soldats et tout ça. Et donc, nous, on va jouer à un mec, comme tu l'as dit, qui parle pas et qui a pas grande personnalité. Et c'est un militaire qui est chargé d'assurer la sécurité des scientifiques. Et ils sont dans des espèces de gros véhicules blindés avec plein de matériel hyper high-tech, trucs super technologiques et tout ça. Sauf que quand ils vont arriver dans cette autre dimension, ça va mal se passer. Ils vont se faire attaquer par des créatures invisibles. Et sur les trois véhicules blindés, il y en a deux qui vont être carrément détruits. Et le seul qui va être sauvé, enfin qui va s'en sortir, c'est celui dans lequel se trouve notre héros. Mmh. Et donc, ils vont se retrouver dans une espèce de monde étrange, peuplé de démons, justement. Et leur but sera de s'échapper, de réussir à revenir sur Terre, tout en essayant de fermer ce portail et de sauver la Terre. Tu m'étonnes. Donc en fait, Shin Megami Tensei Strange Journey, c'est ce qu'on appelle un dungeon crawler, c'est-à-dire qu'en fait on voit à travers les yeux du personnage et on se déplace uniquement dans des donjons qui sont un peu sous des formes de labyrinthe et on avance comme si on était sur un quadrillage case par case. Non, regarde pas comme ça. comme dans les donjons des premiers Shin Megami Tensei d'ailleurs. Donc voilà, il y aura pas d'exploration en extérieur ou de village ou de trucs comme ça. C'est uniquement, on va être uniquement dans ces donjons avec des décors qui se ressemblent, qui changent d'un étage à l'autre. Mais quand on est dans un même donjon, finalement, c'est les mêmes successions de couloirs. Il n'y a pas énormément de changements dans les décors. Et donc, le but va être de réussir à gravir les étages, les différents mondes pour pouvoir s'échapper. Et comme tu dis, on va pouvoir recruter des démons dans les combats. C'est l'essence des Shin Megami Tensei. On va pouvoir recruter des démons en leur parlant, tout simplement. Donc, pas de Pokéball, pas de trucs à faire spécifiquement. Il faut juste leur parler. Et ils vont nous poser des questions. Et s'ils sont satisfaits de nos réponses, ils vont nous rejoindre et combattre à nos côtés.
Donc, ouais, donc, on va dire que d'un côté, c'est un jeu qui est assez de niche, puisque sur cet aspect exploration de donjons, ou l'aspect des jeux qui sont. C'est assez monotone, en fait, de toujours se balader dans ces couloirs. Il n'y a pas vraiment de diversité. Après, c'est un jeu qui est très bien scénarisé, puisqu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va avoir des révélations sur ce qui se passe et tout ça. Le jeu était de base extrêmement difficile, mais Atlus, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin en rajoutant un mode facile qui rend le jeu d'une difficulté, on va dire. Ouais, ils font ça dans tous leurs jeux. Ils l'avaient fait dans Shin Megami Tensei 4. Ils l'ont fait dans Persona 5. Dans 4 Apocalypse. Ouais. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait... facilise leur jeu s'ils voulaient accéder à un plus grand public. Comme je disais, Shin Megami Tensei, c'est réputé pour être difficile. Et c'est vrai que moi, ma première expérience avec Shin Megami Tensei avec Lucifer's Call, ça s'est pas très bien passé. Alors, hein, le 3, il est ignoble. Je vous avouerai que, voilà, à un moment donné, c'est pas que je veux pas de la difficulté, c'est pas le problème, mais. Il y a un moment donné, trop c'est trop, et donc forcément on se dit, mais à qui ça se destine? Je veux dire, j'aime les JRPG, c'est pas le problème. Mais bon, voilà, quoi, c'est... Voilà, quand c'est dur, puis en plus si c'est dur et que tu vas dans des trous noirs, enfin c'est... Ouais, c'est le pompon, quoi. Il y en a qui s'éclatent. Voilà, après, ils ont aussi rajouté des fonctions par rapport à la version DS, par exemple, pour sauvegarder à n'importe quel moment. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, et très franchement, ce genre de procédé, ils devraient faire ça dans beaucoup d'autres jeux, et sont en particulier des JRPG, enfin des RPG, qui sont des jeux qui sont très longs. Aujourd'hui, je pense que la technologie peut le faire, même sur console de salon. Ça, c'est très bien qu'ils le fassent un peu partout et pas seulement quand ils veulent, quoi. Et voilà, alors que la version DS, fallait trouver des salles de sauvegarde pour sauvegarder sa partie. Et des fois, on pouvait naviguer pendant plusieurs heures sans qu'il y ait le moindre... se taper un boss, perdre et se rendre que, en fait, tu dois devoir recommencer une heure plus tôt. Quoi. Donc voilà, le fait qu'ils aient mis ce système, ça rend le jeu beaucoup plus agréable à jouer. C'est-à-dire que je l'ai fait sur DS et j'ai eu un peu de mal à m'y passionner, finalement. Alors que là, sur 3DS, je trouve beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant à jouer. En plus, ils ont rajouté un doublage avec les voix en japonais... pour les scènes, donc ça donne une... C'est en anglais, hein. Les textes sont en anglais, voilà, on a les voix en japonais, mais texte intégralement en anglais, avec aussi, il y a un système de choix, c'est-à-dire qu'on va, des moments où on va nous poser des questions pendant l'histoire. On est passé au test de D3, là Non, c'est suivant ce qu'on répond, on va changer la ligne d'alignement pour être soit bon, soit neutre, soit mauvais. Ça va changer la fin du jeu, en fait. Non, sérieusement, on est passé au test de D3 ou pas? Et autre rajout, ils ont ajouté un personnage et tout un pan scénaristique dans cette version, dans cette version 3DS. La petite brune, là, avec son manteau rouge, là. C'est ça. Ouais. Donc, c'est vrai, qui n'est pas dans la... Donc, j'ai pas encore fait le jeu en entier, donc je sais pas... Enfin, j'ai croisé juste une fois ce personnage, je sais pas quel impact ça a dans le jeu par la suite. Mais il y a tout un donjon qui a été rajouté, apparemment. Des nouvelles fins liées à ce nouveau personnage. Donc moi j'aime beaucoup Strange Journey. Je trouve que c'est un bon épisode de la saga des Shin Megami Tensei. On retrouve tout l'esprit du jeu. Alors, en plus, là, la différence, c'est que... Dans les autres jeux, on est sur Terre, mais ravagé par l'apocalypse. Là, on est dans le monde des démons, carrément. Donc, du coup, ça change un peu l'univers du jeu et ça change certains aspects. L'histoire est bien foutue. Le jeu est assez long à démarrer. C'est-à-dire qu'il faut attendre, jouer une bonne heure avant de pouvoir diriger son personnage. Ça va, ça va. Mais c'est suffisamment passionnant pour qu'on ne s'ennuie pas, en fait. Ouais. Qu'on se dise pas, oh, c'est chiant, je vais passer les dialogues et tout ça. Donc, le jeu est bien rythmé à ce niveau-là. Après, je pourrais pas dire pour les nouveaux trucs qu'ils ont rajoutés si c'est intéressant ou pas, vu que je les ai pas encore faits. Mais je sais que de base, le jeu sur DS m'avait plu, donc je sais que celui-là va me plaire aussi. Donc voilà, je le conseille pour ceux qui ont envie de faire un RPG un peu atypique. Et faut quand même dire, Nico, je sais pas ce que t'en penses, mais nous, les derniers jeux portables, en tout cas sur 3DS, qu'on a testé vraiment, c'est-à-dire qu'ils étaient sortis, tout ça, c'était juste après l'été dernier. On avait fait RPG Maker sur 3DS et Metroid Return of Samus. Alors il y en a un, c'est un portage d'une licence PC sur 3DS avec plus ou moins de réussite, même si moi j'aime beaucoup, il faut quand même dire que la version PC d'RPG Maker est infiniment plus jouable et plus complète. Et on avait Metroid Return of Samus, hein, si je dis pas de bêtises, qui est un remake, D'un jeu. Et là c'est vrai qu'on a un autre remake. C'est vrai que c'est un peu pauvre quand même, quoi. Bah, il y a eu Radiant Historia qui est sorti sur 3DS, effectivement, qu'ils ont ressorti il n'y a pas longtemps sur Nintendo 3DS, mais
C'est pas folichon. Moi qui adore jouer sur les consoles portables, bah c'est vrai que. Après, d'un côté. À part rejouer à mes vieux jeux, là, je fais rien. Radiant Historia et Strange Journey, là où. C'est, plus, c'est un remake au plus. Enfin, c'est même si, on les avait pas eu, les versions DS, on les avait pas eu en Europe. Oui, c'est vrai, non, mais t'as raison de le dire. Donc, moi, j'ai fait Radiant Historia parce que j'ai acheté en import, parce que la DS pouvait nous permettre de jouer aux jeux américains sans problème. Hein, mais effectivement, c'est vrai qu'à la base, on n'est pas censé l'avoir, mais. Bon, c'est. Mais oui, après, effectivement, c'est pas des nouveaux jeux, techniquement. Techniquement, c'est pas des nouveaux jeux, effectivement. Donc, voilà. Et puis surtout qu'on les trouvera, on les trouve pas partout. Oui, c'est oui, c'est-à-dire que Strange Journey, voilà, dans les magasins de jeux vidéo, par ici, il y est pas. Ah, alors. Il est juste au Leclerc, il est juste à un Leclerc. Attends, je vais faire des pubs, ils m'ont rien demandé, hein, je m'en fous. Il est au Dynamite Game de Clermont-Ferrand. Ah, je te jure que c'est vrai. En plus, alors, au cas où, j'ai des Clermontois qui nous écoutent, hein, qui seraient intéressés par le jeu, je l'ai vu samedi dernier. Ils ont déménagé, maintenant ils sont rue Saint-Esprit, voilà, pour que vous sachiez cool. tout. Donc ils ont, j'ai vu en vitrine, ça m'a même étonné, j'ai pensé à toi, Nico, je dis ah, hey, ils l'ont, j'ai failli le prendre en photo, mais je pense que je me serais fait défoncer. Ouais, mais par contre, dans les Micromania, vous pouvez vous faire. Ouais, c'est ça, oui, Micromania ou Cinégame, évidemment, faut tous les citer sur Clermont, bien évidemment. Donc voilà, ça va être plus compliqué, effectivement, de le trouver, sauf si vous le commandez avant le jour voilà, J. Mais c'est un très bon jeu, franchement, je le conseille pour les amateurs de RPG, je le conseille vivement. Ouais, il faut parler anglais. Hein, ouais, rappelle, c'est ça, par contre, il y a beaucoup de dialogues, donc une bonne compréhension de l'anglais est recommandée, surtout. Quand il faut parler aux démons pour bien comprendre ce qu'ils nous demandent et pour bien comprendre ce qu'on doit répondre. Impeccable. Voilà pour le test de Shin Megami Tensei Strange Journey Redux qui est sorti sur Nintendo 3DS en boîte, hein, évidemment, je le précise. Oui, je te fais bien de préciser. En anglais, sorti il y a 2 semaines, ça, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, donc vous savez tout et vous savez où le trouver à Clermont. On va passer à notre deuxième test, celui de Detroit Become Human, qui est un jeu de Quantic Dream. Mais avant d'en faire le test, eh bien on va revenir sur les jeux de Quantic Dream et vous dire pourquoi finalement on est sceptique avant la sortie de leur dernier jeu. C'est notre sujet sur Quantic Dream. Le studio Quantic Dream, studio qui a été fondé par le français David Cage, et pas David Cage, hein, il est français, il aime le Saint-Nectaire, qu'est-ce qu'on mange en France ? La bouillabaisse, j'en sais rien, le couscous, et le, pour son prochain, ce sera Camembert d'ailleurs. Camembert become human, Camembert qui devient humain. Donc David Cage, qui a fondé son studio, donc Quantic Dream, c'était en 1997, et ils n'ont pas mis longtemps avant de sortir leur premier jeu, c'était en 99, avec le jeu The Nomad Soul, sorti sur Dreamcast, ouais. À l'époque, hein, Dreamcast, dernière console de Sega. Alors, The Nomad Soul, rapidement, c'est, vous êtes une âme nomade, vous allez passer de corps en corps, voilà, dans une espèce d'histoire mélangeant religion, extraterrestre, patati patata. Ouais, dans une espèce de ville futuriste. Exactement, qui s'appelle Omicron. Ah, j'écris Oconomicron, bon bref. Omicron. Bon, alors, très franchement, on va passer vite parce que moi, c'est pas un jeu que je recommande aujourd'hui à jouer. Ouais, pour il a trop mal vieilli. Ouais, c'est exactement ça. Il a super mal vieilli. Non pas que graphiquement, voilà, mais d'un point de vue gameplay, il y a des choses qui sont plus faisables aujourd'hui, bah, quoi. Pourtant, il a un univers, une mise en scène excellente. Ouais, c'est la ville qu'on visite est géniale, le fait de changer de corps, quand on a, les idées sont
Mais voilà, il y avait des phases de FPS et des phases de combat, comme dans des jeux de baston, qui sont injouables, mais vraiment. Ah, qui sont horribles. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à péter un câble quand j'ai joué au jeu. Dans les phases de FPS, alors, comme dit, elles sont inchiables. Et puis surtout, c'est que c'est assez pénible de se faire tirer dessus par des ennemis que tu ne vois pas. Voilà, qui sont cachés, vous savez, dans le brouillard, vous savez, qui cachaient... Parce que bon, il y avait des limitations techniques des consoles, hein, mais en fait, je me faisais tirer par des ennemis que je ne voyais pas. Donc j'essayais de tirer dans la direction où ça tirait, mais ça marchait pas. Parce qu'il fallait vraiment que je le voie, et il me canardait. Enfin, j'en pouvais plus, le boss de fin, il est... Enfin, voilà, c'est un chiable. Enfin, donc voilà, c'est pour ces choses-là, bah, ça fait partie de ces jeux rétro gaming finalement que je ne recommande absolument pas. Donc faites attention si vous jouez à The Nomadsuit, si vous voulez, dites tiens, je vais le faire. J'ai jamais fait ce jeu-là. Et effectivement, il a des qualités narratives. Bah, a... Mais vous êtes prévenu qu'au niveau gameplay, c'est pas du tout ça. Quoi. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, en tout cas, ouais, à l'époque, c'était coton. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, évidemment, ça l'est encore plus. Alors, il faudra attendre 6 ans avant de voir leur nouveau jeu qui sera eh bien, finalement le premier jeu qui va représenter l'ADN hein, finalement de Quantic Dream. C'est en 2005 avec Fahrenheit, le jeu qui sort sur un peu surtout hein, sur PC, PS2, Xbox, GameCube à l'époque, qui sortira. Et on a vraiment eh bien, un jeu qui va se reposer sur un système de choix, un système de QTE avec une narration qui se veut entre guillemets plus posée pour être plus immersif par rapport au spectateur. Donc c'est vrai qu'on change radicalement hein, par rapport à The Nomadsuit, hein, les deux productions n'ont rien à voir, mais ça va vraiment être sur ce créneau-là que David Cage va vouloir travailler ces univers de jeux vidéo. Et c'est vrai que Fahrenheit, quand vous commencez le jeu, les 20 premières minutes sont assez exceptionnelles. Grosso modo, vous êtes un personnage, je ne me rappelle plus du nom, hein, m'excuserai. Vous vous réveillez dans les toilettes d'une espèce de brasserie. Hein, vous êtes le genre de café typiquement américain. Voilà, exactement. Sauf qu'il y a un cadavre devant vous, voilà, et c'est vous qui l'avez tué, mais vous ne vous en souvenez plus. Et donc, en fait, à ce moment-là, vous prenez directement en main le personnage, et là, plein de choix, entre guillemets, s'offrent à vous. Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez vous barrer en courant, comme ça, sortir des toilettes, sortir du café et fuir. Vous pouvez cacher le cadavre, vous laver les mains, revenir tranquillement, comme si de rien n'était, dans le café, finir votre consommation, la payer et vous barrer tranquillement. Vous pouvez faire plein de trucs. Une fois que cette séquence elle est finie, vous allez jouer une flic qui va venir, donc le cadavre a été découvert, qui va venir pour enquêter et pour interroger eh bien, tous les témoins à la scène. Et donc, en fonction de ce que vous avez fait au préalable, du genre, je sais pas, vous êtes barré en courant, eh bien, le patron du café va dire « Ah oui, non, mais il s'est enfui comme ça, il a claqué la porte, il s'est barré. » Ou inversement, eh bien, les témoins pourront dire « Ah bah oui, enfin, il est très discret, il s'est assis, il a fini de manger, après il s'est levé, il n'a pas payé, il est parti, ou alors il a payé. » Enfin, voilà, et ça, vraiment, cette séquence va être vraiment ce qui va représenter au mieux ce que Quantic Dream va vouloir faire avec ses jeux vidéo, ce que David Cage va vouloir faire avec ses jeux. Alors, Fahrenheit va se mettre en place dans son scénario petit à petit, le scénario va vraiment se poser, se mettre en place doucement, et va se terminer d'un coup. Ouais, c'est ça le gros problème du jeu, c'est que la fin est un peu what the fuck, c'est-à-dire qu'ils nous sortent des trucs venus nulle part, et paf, ça se finit, hop, on comprend pas. Oui, c'est ça. Mais même David Cage l'a même dit que normalement il voulait aller plus loin dans le jeu, mais qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait dans Fahrenheit. Ah, mais c'est vraiment, voilà, en plein développement, il y a un mec qui est venu, qui a dit « Écoute David, il n'y a plus d'argent, il faut sortir le jeu maintenant. » Bon, ok. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est un peu dommage, mais en tout cas, on a les prémices de ce que veulent faire Quantic Dream. Leur prochain jeu, il arrivera 5 ans après, en 2010, et cette fois-ci, c'est une exclusivité sur PlayStation 3. Je parle bien sûr du jeu Heavy Rain, qui est un jeu qu'on avait, bon, en tout cas, énormément attendu à l'époque, parce qu'on s'est dit, ah, il y a l'ADN de Fahrenheit, avec une réalisation infiniment supérieur. Alors, David Cage a vraiment présenté son système de motion capture, c'est-à-dire de capture des mouvements, notamment faciales, pour ce qui est des acteurs qui étaient pris pour incarner les rôles des personnages jouables dans le jeu. Il a insisté sur cette technologie. Pourquoi ? Parce que son credo, c'est vraiment de mettre en avant
l'émotion dans le jeu vidéo. Emotion. Voilà, ce sont ces termes qui nous font souvent beaucoup rire au salon, aux divers salons de l'E3. En tout cas, Heavy Rain, c'est un thriller dans lequel le héros, Ethan Mars, va devoir faire en sorte de retrouver son fils qui a été kidnappé par le tueur aux origami. C'est un tueur que personne n'arrive à attraper, qui kidnappe des enfants, qui inflige des épreuves assez sadiques aux parents, pour leur permettre de retrouver leur enfant. Et donc, c'est ce que va vivre Ethan Mars, qui ne peut pas se confier aux policiers, sinon il ne retrouvera pas son fils, parce qu'il avait un deuxième fils qui est mort quelques années auparavant. Et donc, il ne veut pas perdre le deuxième, parce qu'il a tout perdu, le pauvre, dans sa vie, après la mort de son premier enfant. Et donc, son deuxième, il ne veut absolument pas le perdre. Et donc, il va faire tout ce qu'il faut pour... Enfin, si on veut, pour essayer de sauver son fils. On va également jouer trois autres personnages. Donc, il y a quatre personnages jouables dans Heavy Rain. Il y a également Norman Reedus, qui est un agent du FBI, qui va enquêter également sur la disparition de ses enfants avec les moyens technologiques dont dispose le FBI. Il y a également Madison Page, qui est une espèce de journaliste freelance, qui va se retrouver un petit peu mêlée, malgré elle, justement, aux enlèvements d'enfants, tout ça. Et on a enfin Scott Shelby, qui est un détective privé, qui est engagé par les familles des malheureuses familles. En voyant que la police ne fait pas grand-chose, voilà, ils décident d'engager un détective. Exactement, qui n'ont jamais retrouvé leur fils, ou leurs enfants qui sont morts depuis, pour essayer de retrouver le coupable, etc. Donc on va jouer ces quatre personnages, chacun de façon différente, dans un jeu par moment. Voilà, dans un jeu qui est techniquement plutôt bien réussi, mais qui est parfois qui manque de cohérence dans la gestuelle, dans le positionnement du visage. C'est-à-dire que la technologie de David Cage n'est pas complètement au point. Et d'un point de vue technique, il y a des environnements qui sont très réussis avec une vraie atmosphère et d'autres qui sont beaucoup plus lambda, beaucoup plus simplistes. Donc c'est vrai qu'on oscille un petit peu entre les deux. En tout cas, on a ce système de QTE, de choix avec diverses possibilités de résultats qu'on va avoir dans le jeu. Des QTE donc, qui vont parvenir dans des scènes d'action, mais également quand vous faites cuire des œufs. Voilà, ça arrive un petit peu dans toutes sortes d'actions que vous allez faire avec vos différents prendre une douche avec Ethan et le voir tout nu sous la douche. Oui, également. Et donc voilà, vous allez faire pas mal de choses avec ces personnages-là jusqu'à un final qui était éblouissant, véritablement, puisque la révélation finale était assez incroyable. Mais, et c'est ça qui était un peu dommage, c'est-à-dire que quand on a fini Heavy Rain, malgré quelques défauts techniques par-ci par-là, il y a des grands moments dans le jeu, il y a des passages qui sont assez suffocants, avec pas mal de pression, pas mal de tension, les personnages sont tous assez intéressants en plus de ça, et le final est excellent, le scénario qui est un thriller qui prend à la fois un peu sur Seven, un petit peu sur Minority Report, tout ça, donc il y a des références cinématographiques assez solides, vraiment le scénario est plutôt bon, voire même très bon, lors du premier run. Mais c'est vrai que quand on refait le jeu, on s'aperçoit de toutes les petites erreurs scénaristiques qui font que, malheureusement, la fin du jeu s'en trouve gâchée par ces incohérences scénaristiques. Évidemment, on ne peut pas révéler la teneur, mais c'était vraiment dommage d'assister à ça au final. Même si, dans l'ensemble, Heavy Rain est un jeu qu'on a quand même beaucoup aimé sur PS3. Ah oui, moi j'ai adoré, franchement. Il faut continuer ensuite en 2013 avec Beyond Two Souls qui va mettre en avant, où David Cage va engager deux acteurs pour les mettre en avant. Donc il y aura l'héroïne qui sera incarnée par Ellen Page, donc une actrice qu'on a pu voir dans Inception, et l'autre personnage principal qui sera incarné par Willem Dafoe, qui est un exceptionnel acteur. Willem Dafoe qu'on a pu voir dans Platoon, dans Né un 4 juillet, dans Spider-Man également, les vieux Spider-Man avec Tobey Maguire, entre autres, donc un exceptionnel acteur. Vous allez jouer en fait une fille qui est possédée par une espèce d'âme qui a des pouvoirs un peu psychiques finalement, c'est-à-dire qu'elle peut communiquer avec cette âme que vous pouvez contrôler à tout moment, et l'héroïne et l'âme en question. Vous avez joué qu'avec, comment ça s'appelle J'ai plus son nom. Judy, je crois. Un truc dans ce genre-là, bref. Et avec son âme, vous allez pouvoir contrôler à tour de rôle chacun d'entre eux, et vous pouvez faire diverses actions, c'est-à-dire que l'âme en question, qui est invisible pour les autres, qui est visible pour Judy, voilà, c'est ça. Pour Jody, du coup, va lui permettre
d'avoir des capacités que les humains normaux n'ont pas. Et donc, dès qu'elle est gamine, eh bien, elle va subir des expériences qui vont plus ou moins la traumatiser, parce que c'est un peu une bête de foire, hein, finalement, vu qu'ils ont repéré ce pouvoir très, très jeune, et puis qu'elle, elle dit qu'elle a un copain qui s'appelle Aiden, je crois, donc l'âme en question, qui l'aide pour certaines choses. Elle va être engagée par l'armée, tout ça, enfin, elle va faire pas mal de choses. En fait, on va voir sa vie de son enfance jusqu'à l'âge adulte, mais de façon décousue. C'est-à-dire qu'on va avoir au début, bah, quand elle est adulte, après quand elle est enfant, quand elle est ado, quand elle est enfant, après quand elle est adulte, après quand elle est ado, etc. Donc de façon décousue, dans un jeu qui utilise toujours le système de QTE, un peu le système de choix qu'il y avait dans Heavy Rain, mais qui n'ont aucune conséquence. Bah, en fait ouais, la fin se décide par un choix final, va à gauche, va à droite. Mais même dans le jeu, de toute manière, il n'y a pas de pan scénaristique qu'on peut voir de façon inédite par rapport à un autre joueur. Voilà, il y a un truc aussi, enfin, le jeu qui avance tout seul si on pose la manette et qu'on fait rien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Au bout d'un moment, ça va se continuer. Alors que même les QTE de bagarre ou de fuite, si on pose la manette, ben, on va quand même s'en sortir finalement. Ça va se réussir tout seul. Et donc, après, ce que j'avais trouvé vachement intéressant dans le jeu, c'est qu'on peut y jouer à deux. Oui. Il y en a un qui joue Jody et un autre qui joue l'âme. J'avais trouvé ça super sympa. Oui, c'est plus intéressant effectivement. Donc, la réalisation technique était par contre impeccable. Là, les petits défauts techniques qu'il y avait dans Heavy Rain, dans Beyond Two Souls, il y en a beaucoup moins, hein, si ce n'est quasiment plus. Hein, c'était vraiment très très chouette à voir. Même aujourd'hui, hein, Beyond Two Souls est très très chouette à voir sur PS3. Mais c'est vrai que dans Heavy Rain, c'est vrai qu'on avait parfois pas forcément l'impression de jouer. C'était un peu entre les deux. Parfois, on savait que nos actions étaient... on avait vraiment l'impression d'être joueur. Et à d'autres moments, un peu plus spectateur. Mais c'est vrai que dans Beyond, comme tu l'as dit, Nico, on a vraiment l'impression d'être spectateur du début à la fin. Ça aurait été un film... Ça aurait été pareil, finalement. Oui, complètement. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand David Cage nous annonce son nouveau jeu Detroit Become Human, même si les présentations qu'on a pu voir au salon de l'E3 nous avaient sur le moment plutôt enthousiasmés, on était quand même réticents de voir des maladresses scénaristiques, réticents de voir un film plus qu'un jeu, réticents de voir que David Cage s'accroche à son idée alors qu'il... Il me dit peut-être qu'il pourrait changer de credo finalement. Il s'y est accroché. Et donc, c'est l'heure pour nous de faire le test du jeu Detroit Become Human. Detroit Become Human, bienvenue en 2038. Et oui, en 2038, donc à Detroit, comme le nom l'indique. En fait, nous sommes dans un futur où la technologie a pas mal évolué, notamment au niveau des androïdes qui sont présents un peu partout dans la vie de tous les jours. Donc, ce sont des androïdes qui ressemblent très pour très à des humains. Ils sont reconnaissables avec une diode qu'ils ont sur leur tempe droite, si je ne me plante pas. Et ces droïdes servent un peu à tout. Il y en a qui servent d'ouvriers, d'autres qui servent de droïdes de ménage pour des gens, ou même de droïdes pour du sexe, littéralement. Et sauf que depuis quelques temps, certains droïdes ont des espèces de dysfonctionnements. Ils se mettent comme s'ils ressentaient des émotions, comme s'ils étaient humains.
Et donc on va incarner trois de ces androïdes. Donc on aura Connor, qui est un androïde employé par la police, pour justement enquêter sur ces déviants, donc ces droïdes qui présentent ce qu'ils appellent un bug dans leur programmation. On aura Kara, une androïde de ménage techniquement, un homme qui vit avec sa fille, donc un gars assez violent qui bat sa fille même, carrément. Et Marcus, qui lui est au service d'un vieil artiste peintre. Qui est sur No Life. qui est sur No Life, et donc un vieil homme en chaise roulante, donc Marcus lui sert d'aide-soignant, de droïde d'aide-soignant en quelque sorte. Et en fait, alors que Connor enquête sur ces déviants, Marcus et Kara, eux, vont se mettre à avoir des émotions. Enfin, il y a un événement dans leur vie. Vont devenir déviants. Qui vont les faire devenir déviants, justement. C'est exactement ça. Donc, en fait, on va vraiment incarner donc, ces trois personnages à tour de rôle. C'est-à-dire que vous aurez une scène avec Connor, puis une scène avec Kara, puis une scène avec Marcus, et ainsi de suite. Qui vont chacun, en fait, avoir véritablement des destinées et des séquences qui vont être totalement différentes. Donc c'est vrai, comme tu l'as dit, on va commencer avec Connor, qui est incarné par l'acteur qui s'appelle Brian Descartes. Alors c'est pas un acteur connu, mais c'est un vrai acteur, hein, c'est la même personne. Connor, en fait, qui va véritablement faire des enquêtes en duo avec un inspecteur de police qui a été très renommé quand il était jeune, qui aujourd'hui est presque un vieillard, un peu sous l'eau, un peu ivrogne, tout ça, un peu brut de décoffrage. Ouais. J'ai envie de dire, Xanthias, tu m'écoutes, qui s'appelle Hank, avec qui ils vont devoir s'allier. Donc Hank a une sainte horreur des androïdes, et de l'autre côté, Connor va tout faire pour essayer d'être sympathique, on va dire, aux yeux de Hank. Ouais. Mais tout ça, c'est une question de choix, finalement. Et oui, bien sûr, puisque, comme tu dis, on pourra choisir... Si on prend l'exemple de Hank, on pourra choisir effectivement d'essayer de nouer des liens avec Hank, ou même de l'envoyer chier, ou d'avoir rien à foutre de sa gueule, ou de lui dire que c'est qu'un connard, qu'il faut se concentrer sur l'enquête, tout ça. D'un autre côté, on a Kara qui va sauver Alice, donc la fille de son maître à Kara, hein, finalement, puisque, comme tu l'as dit, le père battait sa fille, et donc elle va sauver Alice, et donc s'enfuir très loin de cet homme violent pour tout simplement lui échapper et lui offrir une vie meilleure. C'est ça, trouver un endroit où elle pourrait vivre en paix toutes les deux, finalement, quoi. Exactement. Et puis le dernier, donc Marcus qui, par certaines circonstances, va être obligé de se séparer de son maître et va assister à des choses horribles qui se passent sur les androïdes dès l'instant où les humains n'ont plus besoin d'eux. Et disons que ça va lui faire prendre conscience que, eh bien non, ils ne sont pas là que pour servir les humains, ils ont besoin d'être libres. Et donc il va se rattacher à un groupe qui le pense déjà avant lui, et Marcus va être plus ou moins leur leader dans ce qu'on pourrait appeler une révolte, finalement, des déviants, une révolte qu'on pourra faire soit de façon violente, soit de façon pacifique, soit ne pas faire du tout, je sais pas. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ce nouveau jeu de David Cage, effectivement, le système de choix et les QTE sont, pour moi, les meilleurs qui n'ont jamais été implantés dans ces jeux. Tout simplement. Ah oui, complètement. On aura vraiment des choix à de nombreuses reprises. Si on prend rien que le prologue du jeu, où en fait il y a une prise d'otage d'un déviant. Et donc, c'est la démo, hein, voilà, aussi. Connor doit négocier avec le déviant pour sauver la petite fille, puisqu'il a pris une petite fille en otage. Et donc voilà, on aura plein de façons de faire la scène, soit fouiller l'appartement pour en savoir plus sur le déviant et essayer de l'apaiser et qu'il relâche de lui-même la gamine, soit y aller à brut, lui tirer une balle dans la tête et c'est fini, on n'en parle plus. On pourra même tuer la gamine en ratant le truc, c'est-à-dire que le déviant se jettera dans le vide avec la petite fille. Alors, et... Nico spoil pas, c'est vraiment le tout début du jeu. Hein, voilà, donc voilà, il y aura plein de façons de régler ça et ça aura des incidences pour la suite du jeu plus tard. Et donc vous avez un peu ce système là pour quasiment toutes les scènes du jeu. C'est très rare les scènes qui se terminent avec une seule ouais, finalité. C'est très très rare, il y en a une ou deux, ouais, effectivement, parmi les nombreuses scènes du jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fini une scène, vous avez une espèce d'arborescence qui apparaît dans lesquelles vous pouvez voir en fait les choix que vous avez sélectionnés, les objets que vous avez pu voir qui vous ont aidé lors de la scène, ou ce que vous avez pu faire, les actions diverses que vous avez pu faire dans la scène, pour voir ce que vous avez fait et ce que vous auriez pu faire d'autre, et pour voir
jusqu'où atterrit le choix, et que parfois pour une simple scène vous avez 4 fins différentes, 5 fins ou 2 fins, 3 fins, enfin ça peut dépendre, et c'est vrai que parfois c'est assez impressionnant parce que vous pouvez arrêter entre guillemets une scène et voir qu'en fait vous pouvez se continuer encore longtemps. Donc c'est là où très franchement le système de choix qui n'était pas du tout présent dans Beyond, qui était déjà dans Heavy Rain, là cette fois-ci a véritablement explosé. Ah oui, complètement, même. On l'a fait tous les deux, mais on n'a pas fait les mêmes choses. Il y a des... Oui, on en a parlé avant l'émission, effectivement. On a quasiment rien fait dans très peu de choses en commun. Qui sont pas... On a des événements en commun, mais d'autres qui sont complètement différents de... Ouais, totalement. De ce qu'on a fait. Donc voilà, en fait, chaque joueur va avoir sa propre expérience. Et même quand tu refais le jeu, tu peux décider de faire carrément l'inverse de ce que tu as fait, de prendre d'autres décisions, et ça va complètement changer le déroulement du jeu. Alors, là-dessus, c'est vrai que David Cage a... Vraiment, il avait promis, entre guillemets, de faire d'exploser ça, son système de choix. Il l'a fait. C'est pas la seule chose qui nous pète à la gueule quand on joue à Détroit. La première, c'est quand on envoie le jeu. Techniquement, c'est un des... Moi, je le dis, hein, parce que je vois que la presse ne s'est pas mouillée. Moi, j'en ai rien à foutre. Je dis, c'est un des plus beaux jeux au monde. Très clairement, techniquement, c'est... C'est vraiment fou. Cette fois-ci, que ce soit la qualité des visages, leurs expressions, la qualité des décors, des diverses textures, c'est à tomber par terre. C'est incroyable. Oui, oui. Franchement, je dis, c'est un des plus beaux jeux au monde avec God of War. Pour moi, Détroit, il est plus beau qu'Uncharted 4. C'est différent artistiquement, mais il est mieux fait. Mais on a vraiment l'impression d'avoir des vrais acteurs qui ont été modélisés Donc, d'ailleurs, devant l'écran et pas des modèles 3D. En fait. Et d'ailleurs, donc, les trois acteurs principaux, que ce soit donc Brian Descartes pour O'Connor, que ce soit Valerie Curie pour Kara, ou Jesse William pour Marcus, donc ce sont des vrais acteurs. Alors, je disais ironiquement à Nico avant l'émission, je disais que c'est leur meilleur rôle à tous les trois, parce qu'ils n'ont rien fait d'extraordinaire, hein, malheureusement. Mais les autres acteurs également, les autres personnages secondaires qui sont dans le jeu, également font un boulot excellent. Et c'est vrai qu'il faut vraiment regarder à la rigueur des gens que vous croisez dans la rue, dans le jeu, pour voir des modélisations normales, j'ai envie de dire standard. Sinon, tous les personnages ont été traités avec beaucoup, beaucoup de minutie, comme les décors. Chaque environnement a sa propre atmosphère, a son propre travail. Waouh. Franchement, il n'y a rien à redire. La qualité visuelle, elle est largement au rendez-vous. Et donc, il n'y a pas les couacs techniques qu'il y a pu y avoir dans les jeux comme Heavy Rain, par exemple, avec les yeux de poisson, genre de choses. C'est-à-dire que jeu de poisson, c'est-à-dire que le personnage, il regarde dans une seule direction, alors que son interlocuteur est à droite ou à gauche. Enfin, voilà. Là, il n'y a vraiment rien de tout ça. Le jeu d'acteur est excellent. Et ça me fait plaisir parce que David Cage a vraiment insisté depuis toujours sur ce jeu d'acteur qui lui tenait vraiment à cœur. Il n'y arrivait pas. Franchement, il n'y arrivait pas tout le temps. Alors que, par exemple, Naughty Dog, pour Uncharted, voilà, il n'y avait aucun problème alors qu'ils ne se vantaient pas sur leur technologie. Donc là, il y arrivait, il n'y a absolument aucun problème. Les décors sont véritablement à tomber par terre, comme je l'ai dit. Et artistiquement, c'est très, très bien travaillé. Parce qu'on est en 2038, et c'est vrai qu'on est dans un futur, alors certes, il y a les androïdes, mais dans un futur qui est... pas si déconnant que ça. Pas un futur surréaliste. Voilà, pas, il y a pas des voitures volantes, il y a pas des trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment joli à voir. Et c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant parce que on aimerait se balader finalement dans ces décors, en voir plus. On ne voit pas, on dit ah, fait chier, on est bloqué par X raison. Donc c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très là-dessus, c'est vraiment une réussite visuelle. Et tant qu'on est dans l'artistique, c'est une réussite musicale. Musicalement, ça pète. C'est vraiment des musiques alors typées très hollywoodiennes, hein, si je puis dire. Les musiques sont excellentes dans le jeu et soulignent parfaitement les diverses émotions, les diverses actions qu'il y a dans le jeu. De ce point de vue-là, alors c'est déjà le cas hein, dans Heavy Rain ou Beyond, hein, la qualité musicale, il n'y avait rien à redire. Mais là, vraiment, il y a tout le travail qui est fait sur la technique, sur l'artistique, sur la partie musicale qui, moi en tout cas, m'a véritablement enchanté dans ce jeu. Et en plus de ça, donc, pour ce qui est du gameplay, eh bien, pareil, une chose qui n'a pas été forcément dite, moi je trouve, dans les tests, c'est que donc on va jouer à tour de rôle entre Connor, Kara et Marcus. Et moi, je trouve que, on a un rythme de jeu qui est proche de la perfection. Ça s'enchaîne super bien, en fait. Ça s'enchaîne superbement bien. On ne voit pas les heures passer. C'est fait de tellement belle manière. C'est tellement maîtrisé.
Ah, c'est un régal à jouer, c'est un plaisir à jouer. Et puis ouais, les scènes sont ni trop longues ni trop courtes. Oui. Elles sont vraiment juste ce qu'il faut. C'est exactement pour ça. Pour qu'on ait temps d'avoir un moment soit assez intense ou même assez calme et hop, passer au personnage suivant sans être frustré ou quoi que ce soit finalement. Ah, mais et ça s'enchaîne d'une fluidité absolument exceptionnelle. Ça, c'est très bien écrit. En plus de ça, les QTE, et ben, comme on disait, c'est vrai que dans ce genre de jeu, on a peur d'être trop spectateur. Et ben c'est vrai que moi, en tout cas, je n'ai pas eu cette sensation-là. J'ai vraiment eu l'impression. Alors, j'ai presque fini le jeu, mais depuis le début, j'ai vraiment l'impression de jouer. J'ai vraiment l'impression que mes petites QTE à la con, eh bien, j'ai vraiment l'impression que je joue et pas que je suis simple spectateur. Surtout qu'il a ajouté des nouvelles formes de QTE que je n'avais pas encore vues, hein, comme prédéterminer un chemin à l'avance, ce genre de choses, que j'ai trouvé très intelligente et plutôt bien pensée. Et même si ça en fait pas forcément un jeu hardcore, ça n'empêche pas de rater, hein, des QTE qui s'enchaînent parfois assez rapidement sur certaines séquences. Également, les choix qui sont parfois assez draconiens, qui doivent être faits dans un temps limité. Vous n'avez pas tout le temps de réfléchir, vous avez un petit timer qui est assez rapide. Quelques secondes. Voilà, et donc vous devez répondre rapidement. Tout ça, c'est pour renforcer l'immersion. Et c'est vrai que vous devez... Moi, parfois, il y a des choix, je dis « qu'est-ce que je réponds ? Qu'est-ce que je réponds ? Qu'est-ce que je réponds ? Je ne sais pas quoi faire, là !» Donc, voilà. Mais vous êtes obligé de répondre, bien évidemment. Et c'est vrai que là-dessus, le jeu... Et pour moi, franchement, je veux le dire, c'est un des meilleurs jeux, si ce n'est peut-être le meilleur jeu auquel j'ai vu des QTE et des systèmes de choix. Ah mais là, je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est vraiment les QTE sont super bien faites. Et puis les choix, oui, sont géniaux. Et comme on dit, ça rend une conséquence plus tard dans le jeu. Donc si je reprends le prologue, on peut très bien foirer le truc et on n'aura pas sauvé la gamine, voire même faire en sorte que Connor se fasse tuer en quelque sorte, il se fera réparer. Mais on aura des remontrances, enfin ça va nous impacter dans la suite du jeu. Et puis ouais, Détroit, franchement, émotionnellement, ce jeu, c'est une baffe. Moi, j'ai trouvé que c'était une claque absolument monumentale. Les trois androïdes. Ouais, voilà. Ils sont excellents. Ça vient aussi du jeu des acteurs, hein, voilà. Qui est également très bon et qui est très juste, sans en faire de trop, ni en faire pas assez. Et le moment où Marcus et Kara vont prendre conscience de leur être, finalement, et vont outrepasser leur programme, c'est mise en scène de manière... ça nous prend au trip, finalement, comme si on était à leur place, en fait. La mise en scène est très très réussie. Et c'est vrai que ce qui a été dit dans les tests, c'est qu'effectivement l'histoire n'est peut-être pas assez singulière, peut-être que c'est au final c'est plus ou moins convenu ce qui est écrit dans le scénario. Par contre, moi, il y a une chose, moi je sais pas ce que t'en penses, Nico, mais c'est vrai que quand on a des œuvres comme ça avec des révoltes de machines, ce qui est le cas dans Détroit, soit en fait on va se retrouver dans la conséquence de ce qui a été fait, par exemple le film Matrix ou Terminator. Voilà, on voit ce qui s'est passé après que les machines se soient révoltées finalement. Ou alors on va être avec du côté des humains, par exemple le film iRobot avec Will Smith, qui d'ailleurs a été diffusé la semaine dernière, hein, sur une des chaînes de la TNT, ou encore par exemple le jeu Deus Ex Human Revolution, où on joue un humain qui est qui a des prothèses bioniques, hein, finalement, mais on va jouer un humain. Et je ne connais pas forcément d'œuvre où on joue le robot au moment où il se révolte. Je vois pas. S'il y en a qui nous écoutent, qui savent, franchement, envoyez-nous sur Facebook le nom de l'œuvre. Mais c'est vrai que ça me parle pas. Même par exemple, si on a une œuvre qu'avec des androïdes, ils se seront plus ou moins déjà éveillés, ils feront partie des humains, comme dans Ghost in the Shell par exemple, ils seront déjà intégrés. Mais la révolution, et qu'on voit ça au cœur des androïdes, parce que c'est nous qui sommes au cœur des déviants, au cœur de Connor, c'est nous qui les jouons, c'est nous qui décidons d'être déviants à fond ou pas, hein, finalement. Et ben ça, j'ai pas vu ça, en fait. Donc, Oh ben ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement. Une révolution de machine, du point de vue de machine, c'est pas non plus. Enfin, je vois pas d'autres œuvres qui. Non, mais c'est. Voilà, et ben ça n'a pas été dit dans les tests. Comme on disait, on est vraiment libre de faire une révolution pacifique. Exactement. De montrer aux humains, nous voulons juste être libres, nous voulons être en paix. Ou alors, carrément, de déclarer la guerre aux humains et de les tuer. Enfin, voilà. C'est ça. Et donc, c'est vrai que Détroit, c'est vraiment tout ça. Et c'est vrai qu'un des points forts, je te rejoins là-dessus, c'est évidemment le côté émotionnel. Cette fois-ci, David Cage a vraiment réussi son pari.
Et donc, pour conclure, Détroit, Become Human, comme j'ai dit, moi je l'ai pas encore fini, mais je suis pas très loin de la fin, allez, 10 heures de jeu, peut-être à tout casser. Une dizaine d'heures. C'est dur à dire pour un premier run. Moi j'ai envie de dire que je n'ai qu'une envie, c'est de vite finir le jeu pour le recommencer et faire ce que je n'ai pas fait, voir ce qui est possible de faire dans le jeu ou pas. Pour ma part, c'est un excellent titre de l'année. Très clairement, pour les raisons qu'on a évoquées, c'est un jeu qui est magistralement développé, techniquement, artistiquement, musicalement. C'est vraiment chouette. Les acteurs sont excellents. Il y a quelques personnages secondaires qui sont assez clichés, voilà, mais ils sont, moi je trouve, très peu nombreux. J'en ai peut-être vu un ou deux qui m'ont dit ouais, ah, c'est moyen. Mais franchement, dans l'ensemble, ils sont faits de façon très juste. C'est un vrai plaisir de jeu. À chaque fois que je me lançais dans une partie, j'avais qu'une envie, c'est de continuer à jouer. Et là, ça me fait presque chier d'être à la fin, parce que j'aurais aimé que ça se continue sur encore, je sais pas, peut-être aller 5 heures, 4-5 heures de jeu encore supplémentaires. Tellement je suis pris dedans et tellement ça me plaît d'interagir avec ces trois personnages-là. Je trouve que c'est un défaut, voilà, c'est trop court. Voilà, une petite quinzaine d'heures de jeu, ça aurait été pas mal non plus. En tout cas, c'est un réel plaisir de jeu. C'est peut-être pas forcément effectivement un jeu que je mettrais dans le panthéon des meilleurs jeux, parce qu'effectivement, il manque peut-être de singularité, peut-être que c'est un peu trop lisse finalement dans son univers, dans ses personnages, tout ça. Ça manque peut-être d'un petit quelque chose en plus pour lui donner une vraie personnalité. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que le plaisir il est là, et pour moi c'est un excellent titre, et franchement bravo David Cage, a tenu toutes les promesses qu'on attendait depuis des années, et a réalisé son meilleur jeu. Ouais, alors bah moi je l'ai fini cet après-midi. Oh ça va hein. Et oui, je le referai pour voir ce que j'ai pas fait... les nouveaux choix qui s'offrent à moi. Et j'ai adoré du divers du jeu, j'ai adoré le propos, même si la révolte des machines, c'est un truc qu'on a déjà vu. Oui, mais comment dit, du point de vue des robots, c'est déjà vu. C'est original. Ouais, c'est original. Et puis voilà, on disait au début que David Cage parle d'émotions dans ses jeux, mais là il a réussi. Ça y est, on les a les émotions, ça y est, on ouais. les a les moments où on a envie de chialer pour les personnages, tout ça. Donc voilà, on est bien d'accord, c'est un de nos jeux de l'année. Ah oui, complètement. Très clairement, c'est une très très belle réussite, et moi je suis très heureux vraiment vraiment d'y jouer. Je prends un plaisir fou véritablement sur ce titre. Véritablement, je pense qu'il a tout compris au système de QTE, tout compris pour les acteurs, pour les personnages, pour l'émotion justement qu'il a réussi à insuffler dans ce titre. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. En tout cas, c'est encore un excellent titre qui est exclusif PlayStation 4, après God of War, après Ni No Kuni 2, ce genre de, jeu. PS4, c'est très varié. Voilà, et franchement, félicitations vraiment à Quantic Dream, hein, parce que c'est beaucoup de Français là-bas. Félicitations à eux. Vraiment, ça m'a mis sur le cul, hein, ce jeu, sur de très nombreux points. Et c'est un vrai gros travail d'orfèvre qu'ils nous ont fait sur de nombreuses choses. Donc voilà, un super jeu vraiment, et j'espère qu'on retiendra son nom pendant plusieurs années, en tout cas jusqu'au prochain jeu de David Cage, qui cette fois-ci on attendra différemment. Ah oui, là je vous avouerai qu'on attendra différemment. En tout cas, encore une fois, félicitations à Quantic Dream, à David Cage, et surtout à Détroit et aux trois acteurs principaux. Superbe boulot les gars, franchement superbe. On va s'arrêter là, Nico, la musique de fin. Alors, c'est une musique de Final Fantasy XIV, puisqu'il y a eu une mise à jour la semaine dernière. Et donc, voilà, c'est une musique d'un des boss qu'on affronte dans le jeu. Voilà, dans la mise à jour, Under the Moonlight. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée, une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. On parlera de RPG japonais dont on n'a jamais parlé. Rendez-vous sur Facebook et sur Twitter. Et d'ici là, tenez-vous bien. Ciao, bye bye. Ciao.